Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, ça va. On se retrouve ce soir pour l'épisode numéro 3 de notre Let's Play sur Castlevania, Lords of Shadow. Nous étions arrêtés, si je me souviens bien, au Temple de Pan. Voilà, c'est ça, c'est bien ce qu'il me semblait avoir vu. Du coup, on s'est... Ah, j'ai raté une gemme de vie dans le marais de la mort. Ah. J'ai raté une gemme ici. Ok. Eh ben écoutez, j'irai la récupérer et je vous mettrai ce petit élément-là au montage. À la fin de la vidéo, probablement. Allez, sans plus tarder, oula, c'est la violence, attendez, bougez pas. Sans plus tarder, on va se plonger tout de suite dans la suite. Allez, c'est parti. The stench of the bog fades into memory, and a land of great beauty lies before him. A paradise where nature lives in harmony with all living creatures. Indeed, a refuge for those who wish it. He is close now. Close to the old gods and the old ways, long forgotten by men, this kingdom was once revered by all. Yet now only a small part remains. Soon even this will disappear. The amulet senses its master. Its journey is almost over. He will need all his strength now, all his wits. If he is to succeed here, if he is to convince the old god to help him. Hmm. Intéressant tout ça. Allons voir du coup de quoi il est en retour. Que c'est beau. Que c'est beau. Allez. Ça on va récupérer. Ah, j'ai cru que ça avait brillé. Observons et admirons. Il est quand même, avouons-le, magnifique. Les petites particules. Alors, je suis en 60 fps 1080. Donc, ceux qui peuvent en profiter, profitez-en. Il est vraiment très très cool. Il est magnifique, ça. Les petites coupures et tout. Il est vraiment beau. Il est beau, il est vraiment beau pour le coup. Il n'y a rien à dire. Par contre, ce qui m'embête, c'est de ne pas pouvoir bouger la caméra. C'est dérangeant. Mais... Bon. Ah, vu. Donne. Ah, un papier. Les cadavres de mes frères gisent un peu partout. Je me sens coupable de piller les corps de mes camarades, mais je dois trouver d'autres gemmes de vie. Ou bien je suis moi aussi perdu. Pardonnez-moi mes frères, je ne vais pas tenir longtemps, à moins d'augmenter mes chances de survie. Et les morts n'ont plus besoin de cela. Je sais qu'une gemme de vie se trouve tout près, je le sens, mais j'ai besoin de me reposer un moment. Je me sens si faible. Ouais, ah, ça pourrait être faible mon pote. T'es faible. Final état de légumes. À moins que le légume ait fini à l'état de cadavre, je ne sais pas. Vous en jugerez dans les commentaires. Il a dit qu'il y avait une gemme de vie pas loin, du coup il faut faire. On va essayer de faire attention, de jeter là ici on voit un autre cadavre flétouillé. On peut pas y aller là. Ouais. Non, on peut y aller là. Non. Ouais, j'ai pas le droit là. Là? Ah, là peut-être. C'est lui? Ou c'est un papier encore? Oh, encore un papier, je pensais que c'était la gemme. Ma chère Martha, je crains de ne jamais revenir. Prends soin de toi et de notre fille bien-aimée. Que je sois pardonné d'avoir failli à ma tâche.
Sache que tu resteras à jamais dans mon cœur, et qu'un jour nous serons à nouveau réunis. Ton mari qui t'aime, Victor. Ouais. Moche. Moche, 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 moche. Ouais, par contre, ça m'emmerde. Youle, j'aime. Youle. Bon, on va continuer, on verra bien. Je peux pas. Là. The vœu. Ah oh, putain. Vous ne pouvez pas atteindre cette arche de la confrérie. Revenez quand vous aurez amélioré vos compétences. C'est chier. C'est chiant. Je peux pas. Non, rien, y'a pas. Il est où le cadavre là? Y'a un cadavre qui traîne. Ah, ah. Là, au milieu des forêts peut-être. Non, rien. Non. Là j'ai vu qu'il y avait une ruine, ok. Moi je veux la gemme de vie. Où est la gemme de vie? Le mec il en a parlé tout à l'heure. Il a dit je sens, il y en a une pas loin. Mais elle est où? Bon. Font des forêts là, non? Non, ils sont pas fourrés comme ça, non. Alors. Là. Non, c'est pas ça. Mais c'est dans l'autre sens, écoutez, hein. Si c'est pas l'un, ça doit être l'autre. Ah non! Boulette, on fait un tour. Non, c'est pas celui-là du coup. Ah! Dans ce sens-là, ok, j'avais pas mis le bon sens. Parfait! Allez! Ah! Elle est où la fée? Attendez, D'accord. La fée du suicide, très bien. Super. C'est beau, c'est magnifique, regardez ça. Observez comment c'est super beau. Je trouve ça super beau. La gemme de vie. Mais ça, c'est la sortie du niveau, ça. Mais vous, le mec un peu plus tôt, il en a parlé. Ah, mais ça, c'est la fin du niveau. Bref, on va voir. Si, il y en a qui font.
show yourself. The Brotherhood needs your help. I need your help. I know who you are, Gabriel. I am the guardian of the Lake of Oblivion, where the living can communicate with the dead. Tell me, warrior, are you aware of what is happening in the world? We have been deserted by God. Creatures from the void come to claim the souls of men, to wipe mankind from the face of the earth. And what of the elders of your order? What do they think? That God has not abandoned us. They believe that a powerful spell has been unleashed by someone or something. A spell that has isolated our world from the heavens, cutting us off from God, and allowing evil to flourish unchecked. Why have the Brotherhood of Light sent you to the Lake of Oblivion? They have dreamt that a message waits for me at this lake. A message that holds a clue to our salvation. I was instructed to seek you out, in the hope that you may show me the path. The elders believe that these dreams are the last message from the heavens, and that you should know something that we are unaware of. Is that it? Yes. My wife, Marie, was murdered not 2 days ago by the evil that roams these lands. Her soul and those of the recently departed are trapped here and cannot find peace. And that is why they sent you to the Lake of Oblivion, because they believe that she is waiting for you here to deliver a message to you. Yes. Will you help me? Désolé d'avance pour les petites modifications en bas. Only the most deserving of the living are worthy of speaking to the dead. Are you worthy, Gabriel? Ok. Un petit peu de poussière de fée. Ah, oh. Ok. Oula. Bon. Magnifique. Tourner d'un anneau dans le sens horaire. Dans le sens anti-horaire. Voyons. Ok. Ok. D'accord. Ah. Erreur. C'est un problème. Aïe aïe aïe. Wait. Je crois que je l'ai. Yes! Bon, pas évident. Mais je l'ai. On a eu de la chance. What? Excuse me, what the fuck? Ah! Super. Super, super. Ah! Un double what the fuck? Oh là là, what the fuck? What does this mean? Tell me! Only that you have passed the test.
You appear worthy of entering the Lake of Oblivion. Oh lo lo. What the fuck? J'ai pas tout compris à ce que je viens de voir, je vous avoue. Make sure you have your daggers with you. One never knows when need may arise. Toi, t'es louche. Après ce que je viens de voir, excuse-moi, mais t'es louche. Bon, attention à ta tête. Tu me plais pas, Pan. Tu ne me plais pas. Du tout. Bon. Et j'ai pas trouvé la putain de gemme. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Je sais pas. Bon, bref. Attendez, bougez pas, je reviens. Ne bougez pas. Hop, excusez-moi, petit problème rapide, tout va bien. Du coup, je pense que peut-être l'épisode durera un peu plus longtemps, mais vu que ça a été tout tranquille, bon, on va vous offrir quand même un peu d'action. Le lac de l'oubli. The test has shaken him. I see the doubt in his eyes as he heads towards the lake. So Pan is helping him now. That's good. Perhaps it bodes well. I wonder if he knows what awaits him here, in this place where the dead can contact the living. It is cold now. A chill wind blows through his heart. I can see it, feel it. He will need help if he is to succeed. He must not fail. He will not fail. Not now. Not yet. Not if I have anything to do with it. Allez, on est parti. On est... Putain, le changement de décor radical. On passe d'un truc super vert à un truc tout blanc. C'est chaud. Les traces de pas dans la neige. Les petits effets de flocons sur l'écran, c'est magnifique. Portail juste au-dessus. Regardez. Je sais pas si c'est la tête de qui, mais putain, c'est magnifique. Allez, bon. Allons-y. What the fuck? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Un papier? Une gemme de vie gratuit! 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 Oh! Oh, généreux! Plus de vie, ça c'est cool ça. Ça c'est top. Bon. Bah du coup, bah, go traverser le lac, écoutez, hein. Allez, hein. Quoi, mon gars. J'allais dire, on va avoir la cinématique du voyage, mais non. Semblerait-il que non. Qu'est-ce que c'est que ça? Tourne-toi peut-être, j'ai ça comme ça. Ça bouge plus devant, peut-être ça bouge derrière, non? Bata. Bido. C'est con mais c'est logique. Si ça bouge plus devant, c'est que ça va arriver derrière pour t'éclater. Oh là, il a l'air vexé. Il a l'air très vexé. Bonjour à toi aussi. Ok, bonjour. Ok, tu veux pas en discuter, non?
Non, tu veux pas? Tu n'as pas l'air de m'en avoir envie. Ok. Ok. Alors mon arme est l'équivalent pour lui d'à peu près un putain de cure-dent. Il faut que je me batte contre ça. Superbe. Bon bah vas-y. Yep. Ah, plein dans ma face. On va prendre ça. Chaud. Vas-y. Hop. Aou. Excusez. Il va en mettre un deuxième. Mais je sautais. C'est quoi cette blague? Ok. Oh, okay. Non, 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 non. Ok. Nope, nope. Nope, non. Non, 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 je resterai accroché. Y'a pas moyen. Allez, quoi? Ok. Non. Non. Non! Eh merde. Putain, j'ai plus de vie quasiment en plus. Il est mauvais. Il est mauvais. Mais allez, j'ai sauté là. Mais allez. C'est une blague là. Putain. Incroyable. Hein. Saloperie. Et peut-être non. Parasite. Je reste accroché. Il va se ressouper, je le sens. Je vais être sûr. Non. Il me reste peu de vie. Hein. Si j'y arrive, ça va être beau, hein, je vous le dis. C'était pas volontaire. Hein. Yep, non. En plus, je vais porter deux vieux coups de mule. Vieille action pour le coup. Allez. Allez, prends ça. Dans la... Tiens. Hop. Là. Il va mettre un hit, je vais me faire éclater. La prochaine blessure que je prends demain, je vous dis où j'y passe. Ah ouais. J'ai esquivé trop de temps. On passe l'action, enfin on passe le truc là, on a entendu déjà, bon allez. Toi je vais me le faire. Allez bien là. On se concentre, on se concentre. Hep hep hep, doucement, doucement. Deuxième patate, vas-y. C'est bon, je l'ai. J'ai le timing. On va se déplacer ensuite, on ira plus vite. Et là. On va se tenir. J'en étais sûr. Je l'ai senti arriver. Allez, on frappe. On frappe. On frappe. Allez, hop. Allez, allez, voilà. Je te tiens. Ok, là. Là-bas. Dup, dup. Ah, je vois, je me sens. Non. Yeah. Non. J'ai failli tomber. J'ai failli tomber. Allez. Hop, 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 hop. Non.
J'ai eu chaud. J'ai eu très très chaud. Ok. Bien. Non. Allez, on se concentre. Allez, ce moment-là. Ok. Ça va nous emmener où ça? Là. Ok, il y en a un derrière. Non, 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 non. Dop, dop. Non, non, non. Nope. Nope. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, j'ai dit. Hop, hop. Non, non, non. Non. Eh, dis donc. Arrêtez de s'agiter, monsieur. Non. Ok. Oh, oula. Ok, tiens. Non, 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 non. Ah, 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 j'ai cru qu'il allait y mettre sa main, du coup j'ai reculé, mais c'était... Ah. Arrête, 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 ah. Oh, on a eu chaud. Arrête, ah. Ah. Arrête. Allez. Oh. Ah, bro. Aïe. Oh oh. Oh oh. Oh oh. C'est déjà la fin. Non. Aïe, 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 aïe. What the f... Ok, bonjour à lui. Ok, merci. Super. Un héros. Je n'ai... Give me your dagger, quickly! Merci à lui, il vient de me sauver les fesses. Merci mec. Ok, tout avec stylé classe. Pas mal. Il en bouffe tous les matins au déj. Je laisse la cinématique pour finir l'épisode et on arrêtera l'épisode juste là. Marie. Upon your face again. And now yours. My love, the elders of the Order hope that you can help us to understand what is happening. The world has been isolated from the heavens. Some believe that God has abandoned us. Can it be true? I feel that the spirits are trying to talk to me. They whisper things to me. It is hard to understand them all. It is so dark. So many people crying. I cannot find them in the blackness. I am scared. There is something else. A shadow is on my mind. You must help us, Gabriel. What are they telling me? Who are they? They are the spirits who founded your order. And that the power of the Lords of Shadow is the key. They talk of a prophecy. I don't understand what they mean. I can feel myself fading. I can hardly see you. Darkness is closing around me. Marie. I love you, Gabriel. Don't go, Marie. He is triste. Triste.
Why are you here? Who sent you? I am Zovek, a warrior of your brotherhood. Pan and I are old acquaintances. He felt you would be in need of my assistance. I have heard of you. I am sorry. My name is Belmont. I know who you are. Désolé pour le petit bug. Was that the spirit of someone you know? Yes. It was my wife. Forgive me. I couldn't help but overhear what she told you. It sounds like the spirits who founded our order are trying to tell us something very important through her. What do you mean? Only that the founders of the Order seem to be using the dead to communicate with us. The prophecy has been secret for many centuries. It is known only to a select few. There is no way she could have known of it unless they managed to tell her somehow. Praise be to God. What prophecy? It is written that a pure-hearted warrior will claim the power of the Lords of Shadow as his own and use it in order to overcome all evil. Spoiler. It is said this warrior would become God's vassal on Earth, supremely powerful. He could do anything. The founding spirits have not abandoned us, Gabriel. Thanks to your Marie, we now know there is some hope. We have to enter the lands of the Dark Lords, you and I. We must reclaim the powers they hold and unite the heavens with this world once more. And don't you see, Gabriel? You can bring her back. If what you say is true, then we need to work quickly and in secret. The Lords of Shadow must not suspect we're on their trail, or they will turn all of their attention towards us. We should take different routes, you and I. I will head for the Land of the Lycans. You leave for the territory of the vampires and prepare the way. Then we must go on to the Lord of the Necromancers together. His realm lies first. Our enemy must suspect nothing. Take this. It will allow you to absorb spiritual energy and will help cure your wounds. Good luck, my friend. May we be granted victory. Thank you, brother. You have given me renewed hope. Okay. On part pour à peu près... On part pour à peu près 3000 ans de voyage. Très merveilleux, super. Bon. Bon. Génial. C'est génial. On va aller voir si on peut prendre quelque chose à se mettre sous la dent. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? Ok. J'ai une tournante. Ok, c'est pour zoner en l'air. Chaîne circulaire, c'est quoi? Oh, combo. Ok, ça a l'air d'être un combo assez lourd à. Hein. Combo direct, l'autre. Faire ça seul. On aura peut-être ça plus tard. Du coup, combo direct lourd me semble pas mal. Donc je vais le prendre. Ok. On peut en prendre un autre. On peut en prendre un contre-attaque de zone. Ah. Ça peut être utile. Il faudra que je chope le timing, mais ça va être utile. Je le prends. On peut le prendre encore. On peut prendre encore. Il nous reste 500. Saisie aérienne, coup de pied volant, c'est quoi coup de pied volant? Spam! Saut, dash, bam, ok.
saisie aérienne, c'est pour choper en l'air, j'imagine. Plus tard, peut-être mes coups de pied, chaîne tournante, peut-être. L'air, maintenez la touche triangle enfoncée pour utiliser l'attaque de zone et clore une suite d'attaques aériennes. Votre chaîne balayera et frappera tous les ennemis autour. Ouais, bon, bah écoutez, c'est une attaque de zone en l'air, on va la prendre. Et je vais prendre du coup le coup de pied volant. Ouais. Voilà. Écoutez, on a fait plein de nouvelles techniques pour le prochain épisode, qui sera l'épisode de 4 du coup. On a récupéré un médaillon de lumière, on a récupéré une gemme de vie, on a récupéré pas mal d'XP qui nous a permis de récupérer des techniques, on se fait un bon gros boss, je pense que l'épisode doit être cool. Écoutez tout le monde, j'espère que cet épisode vous aura plu, pareil si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est super encourageant. Voilà voilà, et puis écoutez moi j'ai pris un grand plaisir à tourner cet épisode et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à le regarder. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde et on se retrouve très très vite pour l'épisode 4. A ciao, portez-vous bien.